à 5 minutes. Je regardais, je me suis dit, putain, je suis au Mexique. Au jour le jour, je le sais. Mais des fois, j'ai des flashs qui me disent, putain, mais quand même, tu joues au Mexique. Au Barcelona, un Messi est caro? Non. O Ronaldo, pour Real Madrid, non est caro. Zinha, pour Tigres, non est caro. Porque todos rendem futebolisticamente. Desde que ele chegou aqui, a Liga Mexicana teve mais fama, mais auge. Hoje vocês na Europa sabem de Tigres, sabem de Liga Mexicana pelo André. Antes não tinha interesse. Depois o exemplo contigo. E tu não te das conta, eu disse, quando recupera, que ele é um toque mais. Sim, é sempre o Mas eu creio, acredito que temos uma certa similitude, os três. Marcelo, André e eu. Se temos uma certa similitude. Guardando proporção. Bielsa, André e Tuca. Non, ça c'est pas vrai. Je vais d'ailleurs lui dire tout à l'heure. Non, il y a Bielsa, il y a Tuca et il y a Dédé Gignac. Très très bas. Non, c'est une personnalité, hein. C'est un personnage. C'est un peuple qui a beaucoup d'humilité. C'est pas un peuple riche, hein. C'est pas facile tous les jours ici pour certaines personnes. Donc si on peut amener un peu de bonheur à ces personnes qui sont souvent tout en haut de ce stade, où ce sont les places les moins chères et où c'est toujours plein, il faut le faire, absolument. Il faut qu'on le fasse. C'est notre devoir. Ils ont un super stade, ils ont une super installation, mais nous, on a une âme. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc les gens savent que ce match, il est différent. C'est la suprématie d'une ville, d'une région. L'état de Nuevo León. Je pense qu'il y a 60% de supporters de Tigres dans la ville de Monterrey et 40% de Rayados. À la suite de cette faute dans la surface non sifflée. Sur une finale de championnat, tu ne peux pas te permettre de pacifier un penalty où tout le stade le voit et lui qui a deux mecs de l'action, deux mètres de l'action, il est. Il y a un problème quand même. Faut qu'on m'explique, il y a un problème. Je peux pas penser qu'un joueur, qu'un arbitre, qu'une équipe, qu'un entraîneur, qu'un président puisse faire tout pour que son équipe elle gagne en trichant. Pour moi, c'est inconcevable.